Yeah. Je suis Madame Asagba Erose, épouse Soussi, la directrice de l'établissement Miséricorde Divine. On produit des épices, on fait la transformation des produits maraîchers. Et puis on fait pour qu'il y ait une valeur ajoutée, de nos, pour donner la valeur, une valeur consistant à nos produits. On fait la restauration aussi. On met la restauration, la transformation, on mélange un peu les choses pour montrer aux gens la valeur de ce que nous faisons. Pour la transformation, au premier abord, il y a les achats des matières premières et la préparation des emballages, la boîte, l'étiquette, les étiquettes. Après ça, vous ramenez les produits, vous faites les tris. Chaque matière première a besoin de tri, de nettoyage. Après le nettoyage consiste à faire dépoussiérer, par exemple le gingembre, vous dépoussiérez, vous lavez. Vous lavez trois ou quatre fois, ça dépend de comment le gingembre est sale. Après cela, vous séchez. Vous passez au séchage. Vous séchez au soleil un peu. Après, au soleil, vous mettez au four. Vous envoyez au four. Après le four, c'est la mouture. Après la mouture, il y a le tamisage. Après le tamisage, il y a l'emballage et l'étiquetage et la commercialisation. Il y a beaucoup d'avantages parce que le processus lorsque vous faites une production et qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et c'est lorsque vous faites la tomate et que vous vendez la tomate brute, il y a souvent pas. Le producteur ne gagne pas au fait le travail qu'il a effectué pendant 3 mois avant d'avoir le produit. Donc cette valeur ajoutée qui est faite ici, par exemple pour le piment, ça permet d'avoir une conservation. Donc de vendre le produit à un moment beaucoup plus cher. Contrairement à ce que nous faisons de façon traditionnelle où il faut garder le piment et ça va pourrir. Donc le processus de transformation déjà, c'est que ça résout un problème au niveau de la conservation, un problème d'écoulement du marché. Parce que ça permet de faciliter déjà la cuisine. Donc, on n'avait plus besoin d'aller écraser toutes les pénibilités que les gens ont. Tout ça là, c'est déjà résolu. Et l'autre chose, c'est que dans tout le processus de transformation, il y a une main d'œuvre qui est sollicitée. Donc ça crée plus d'emplois. Au niveau de la chaîne de transformation plutôt qu'au niveau de la chaîne de production. Nous avons beaucoup besoin d'aide. Beaucoup besoin d'aide. Parce qu'on se bat pour y arriver, mais ça ne tient pas encore. Si le gouvernement peut comprendre et aider un peu les jeunes qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat, si le gouvernement peut nous aider un peu avec des matériels, même pas nécessairement financièrement, avec surtout les matériels pour le travail, ça peut beaucoup nous aider. Mon dernier souhait, c'est de voir bientôt ce centre accueillir plusieurs jeunes, non seulement au niveau de la formation, parce que bientôt nous avons un programme entrepreneurial en milieu scolaire. Nous allons accueillir des jeunes ici que nous allons encadrer, des jeunes filles, nous allons encadrer pour leur montrer ce que nous faisons. Et nous allons créer des coopératives. Donc je crois que nous aurons besoin de soutien pour vraiment accompagner ces jeunes-là afin qu'ils s'installent sur la même chaîne de valeur que nous pour donner un peu. Parce que l'autre problème principal que nous avons, c'est la rupture de matières premières. Comme la dame l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de matières premières sur place. Donc il faut former des jeunes
pour produire ces matières premières-là, pour qu'on puisse transformer localement. Donc, mon avenir, c'est que des gens accompagnent ces jeunes qui vont souhaiter aller vers l'entrepreneuriat agricole, surtout la transformation. Et surtout, le second volet qui est très difficile, c'est l'écoulement des produits, que l'État s'investit dans la promotion du consommant local. Voilà. Je vais aider beaucoup de gens à se donner à l'entrepreneuriat. C'est mon objectif primordial. Aider beaucoup de jeunes à comprendre la valeur de l'importance de l'entrepreneuriat. Il ne suffit pas d'apprendre papier, de coller papier, s'asseoir dans un bureau, à attendre le salaire. Non. Il faut travailler, boxer dans l'entrepreneuriat, essayer de comprendre le bien qu'il est dans l'entrepreneuriat. Anga ben kola.